Alors, j'évoque un petit peu l'histoire de La Roche-sur-Yon avec René Cousinet qui a marqué du coup l'histoire. Donc c'est un aviateur qui fabrique du coup ses petites maquettes. Donc je me suis mis à sa place. Il fabrique ses maquettes et elles prennent vie. Et donc j'ai évoqué aussi le côté récupération, construction, un peu brinque-ballante, mélange de matières intéressantes avec des absurdités, des choses un petit peu improbables. J'aime bien ouais, les soucis du détail, les surprises, les trucs qui n'étaient pas sur l'esquisse. Ça va m'emmerder. Quand t'as une mauvaise teinte, tu peux même pas avancer sur un truc. J'avais celui-là, là, il est trop clair et j'avais un trop foncé du coup qui me dérangeait. Et là, t'as trouvé la bonne teinte. Bah, parce que j'ai une réserve de bois en fait là-bas. Et là, je suis bien. À peu près. On va y arriver.